And that winner is Dragon Age Inquisition. And the winner for Game of the Year 2015 is The Witcher 3. Game of the Year at the Game Awards 2016 is Overwatch. And the Game Award goes to Legend of Zelda Breath of the Wild. All right, and the Game Award for Game of the Year goes to. Salut à tous, salut à toutes salut. et bienvenue dans salut ce monde. quatrième épisode wow. de Coop et Canap. Alors Coop et hein. Canap, voilà un épisode un petit peu en forme de, de bilan de l'année 2018. Alors Coop et Canap c'est quoi C'est 1200 écoutes, c'est 140 likes sur Facebook, c'est 3, 3, 3 followers sur Twitter. Euh, <laughs> c'est le stade des, pr des princes rempli pour le jour de l'an. <laughs> Exactement, le stade des princes pour le jour de l'an. Patrick Sébastien qui fait notre première partie. Exactement. Non voilà, euh, vraiment une année, une année 2018 euh, <laughs> en grande pompe. 4 épisodes, plus de 95 heures de contenu. Euh, <laughs> non, voilà. Par épisode, <laughs> par épisode, par euh, épisode. Donc voilà, on est, on est très heureux de, de finir l'année avec vous. Euh, bah, on est content. Voilà, on a réussi à faire nos 5 épisodes de, de coop et canap. Et aujourd'hui, bah, on voulait vous faire une petite euh, petite surprise, un petit un petit bonus, à savoir une élection, l'élection du jeu de l'année 2018. Avant de passer euh, au vif du sujet, on va parler un petit peu. On va revenir sur euh, bah, cette année 2018 et ce qu'on en a pensé. Je sais pas vous, mais moi j'ai j'ai pas trouvé que c'était une année exceptionnelle pour le jeu vidéo. On a eu 2017 très très fort avec, euh, avec des très gros titres. Il y a eu des très gros titres hein, cette année. Hein. Il, y eu, il y a eu Red Dead, il y a eu God of War, il y a eu Smash. Il y a, eu des... il, y a... il y a On a, on a quand même non, eu des, des gros titres, mais on a eu. Non, mais après, dans, dans l'indépendance, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, c'est vraiment deux, vrai. deux wagons qui avancent à, à, des, à des vitesses différentes. Mais dans les AAA, cette année, on a eu euh, bah, du bon, du moins bon, mais on n'a on a pas eu quelque chose. Euh, qui, est, qui, qui, en tout cas, j'ai trouvé, était extraordinaire. Non, cest avait des belles licences ouais. sur le papier, mm -hmm. mais au final, euh, rien qui nous a transcendé quoi. C'est un ouais, peu ça, ça. Quoi. ça, God of War, malgré tout, ah, oui, c'était un jeu incroyable. Non, non, non bien sûr. Mais... Il était... euh, voilà, voilà, ça restait un jeu d'action. Euh... En fait, on n'a pas eu, comment dire, de... de coup de cœur, au final. Ouais. ouais. Vraiment quelque chose qu'on sait qu'on va s'en remplir dans 10 ans. Voilà. Ouais, mais ouais, c'était quand même une belle année, voilà. Ça, ça. reste ouais, une belle année. Tu vois, moi, mon année 2018 a été de jouer à des jeux de l'année d'avant. Tu vois, comme... Et du coup 4 Zelda Breath of the Wild et en fait The Witcher 3 aussi ouais The Witcher 3 et encore c'est beaucoup plus, vieux. Pas et pas en plus fait, vieux et et étrangement c'est que des claques que j'ai prises ben à ça. chaque fois bon et, et alors que là j'en ai pas vraiment eu sur les, les AAA ou certaines autres qui ouais, est cette ce année, cette année. Mmh. Alors, on pas des indés à part mais... on, est, on, est, on est quand même sur une année un petit peu de, de transition aussi hein. c'est à dire qu'on sait que les nouvelles machines vont arriver la Switch est en train de se mettre en place mais avec un lancement qui a été pas compliqué en termes de vente, mais compliqué parce que je pense qu'ils l'ont lancé dans la, dans la précipitation, parce qu'il fallait absolument trouver, euh, trouver quelqu'un pour remplacer la Wii U euh, qui, qui ne se vendait euh, décidément pas. Donc je pense que ça a été lancé très vite. Et je pense que du coup, bah, voilà, on en est aujourd'hui à, à un état où bah, la, Wii U euh, la Switch pardon, continue de se faire un catalogue euh, tranquillement, gentiment. Ils ont, ils ont cramé quasiment toutes les grosses cartouches. Et euh, ils sont vraiment glissés entre, les, entre la nouvelle génération et fin de... Voilà. Euh... Et, et on sait très bien la que, gros, que la PS5 quoi. et la nouvelle Xbox arrivent aussi donc ben voilà il n'y a rien trop qui, qui était extraordinaire moi je suis d'accord 2018 c'était ça reste une bonne année j'ai joué à des jeux extraordinaires ouais, non, bien sûr, hein. mais plutôt du côté des indés que du côté des, des, des ouais, gros triple a voilà on va donc passer à l'élection du jeu de l'année ah. comment est-ce que ça s'articule cette élection oh. Nicolas dis nous tout alors je vous explique comme j'aime gagner on a décidé de faire ça un quiz <laughs> non, en on a fait une liste de 20 jeux 20 jeux qui sont actuellement dans une casserole en face de moi chacun notre tour on va poser une question donc c'est à dire que par exemple je vais commencer à poser une question sur le jeu vidéo à joris et john le premier qui trouve la bonne réponse il peut y avoir autant de bonnes réponses que de réponses que possible le premier qui trouve la bonne réponse a le droit de piocher deux jeux d'accord dans la casserole dans la casserole et d'en éliminer un qui prendra immédiatement donc la, la place dans le classement c'est-à-dire que le premier jeu qui va être sorti de la casserole parce que justement pas pas, pas choisi et ben ce premier jeu là sera vingtième etc 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 jusqu'à jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus euh, qu'un oui. qui sera donc le jeu de l'année avant ça donc j'espère je, que c'est clair pour vous. Ah, oui, oui. oui, pour moi ça l'est, mais en même temps on en a parlé un quart d'heure après l'émission, <laughs> <Voilà. en rire> histoire de se dire, bon je les pense gars, qu'est-ce que qu les fait les auditeurs Non, on a compris. <rire> <rire> euh, je vais commencer, je vais poser la première question et ce sera pour les deux. On peut déjà expliquer comment on a choisi les, les Alors, 20 jeux Voilà, ah, comment, oui. on a, comment on a choisi les 20 jeux Effectivement, on a fait hmm. une liste de tous les jeux auxquels on a plus ou moins joué cette année. Il y en avait facilement une quarantaine. Et ensuite on a décidé de faire un classement, c'est-à-dire on mettait un nombre de points entre 1 et 4 à, à ces jeux. Ça donne une liste de 20 jeux ces 20 jeux euh, sont ensuite euh, ont été découpés et mis dans des petits papiers mais ça c'est plus un peu le côté technique de la chose <laughs> non mais voilà et, et donc effectivement et, et donc au niveau des, des petits papiers euh, comment tu t'es débrouillé alors en fait j'ai imprimé euh, sur une feuille le, 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 le classement en ouais. format, format Excel hein, okay. et, euh, et j'ai découpé en fait avec un ciseau euh, normal à ciseau bourron, pour bourron, pas bourron voilà à voilà, pour bourron pour, euh, pour euh, voilà tout simplement format voilà euh, des feuilles donc ça fait des petits papiers mais ça reste lisible puisque c'est imprimé mais c'est vrai ouais. que nous sommes sur une casserole très très classique hein. ouais, c'est une casserole voilà <laughs> oui voilà c'est voilà, à dire n'a pas le budget chapeau non plus hein. voilà problème, on, a, on, on avait pensé à des chapeaux mais c'est vrai que là pour l'instant on a que, voilà, on a que, que des casserole. casseroles euh, je pense que c'est assez clair pour tout le monde alors oui, oui. voilà quand même les jeux auxquels euh, bah, on a joué mais qui ne seront pas dans le classement mais qui pourtant méritaient vraiment pour le coup toute notre attention Dragon Ball Fighter Z, euh, voilà, on n'est on pas très jeu de baston classique, il euh, y a, y a, y a malheureusement. Voilà, donc du coup, on sait que c'est un très bon jeu, mais il ne sera pas dans le classement. Spider-Man aussi. On ah euh, oui. eh oui, oui, un manque jeu de qui temps. Manque de temps oui, et, 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 et d'argent. Hitman 2 aussi, qu'on ah aurait, ouais, qu aurait adoré jouer, mais qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement, de, de faire. Qui lui méritait, à mon avis, d'être dans le classement aussi. Même. Ah oui, largement. Je pense qu'il a largement sa place. Subnautica. Il euh, ah y a vrai, que moi qui y ai joué, donc euh, je pouvais difficilement le, vous l'imposer. Frostpunk. On n'y a pas joué, alors que pourtant, ça a l'air d'être un jeu démoniaque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on n'a pas pu mettre Thronebreaker. On n'a pas eu le temps d'y jouer. Ah ouais, euh, Gris, qui est sorti un peu tard aussi, qu'on aurait bien mis, hein, en plus. Dans, ouais. Moi je l'aurais bien mis en tout cas euh, Voilà tout, tout ça Assassin's Creed Odyssey c'est pas trop notre ah, cas vraiment pas parce que c'est des mauvais jeux hein. C'est vraiment qu'on n'a pas eu le temps quoi, On n'a pas eu le temps non, ou voilà. des fois bah, c'est simplement pas notre truc aussi hein. voilà. C'est ça hein. Ceux dont on a eu le temps de jouer bah, Manque de bol Il bah, en a eu 20 meilleurs pour nous Voilà ouais, Voilà après c'est notre classement ouais. Est-ce que vous êtes prêts à élire le jeu vidéo de l'année oh, 2018 oui. De yes. manière complètement euh, débile Très bien Messieurs, Dames Installez-vous confortablement. Bienvenue à cette première cérémonie d'élection du jeu de l'année de Coop et Cana. Voilà. From the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble! Et je vais poser donc la première question à Joris et à euh, John, oh. avec une question sur le thème « Les grands jeux ». Allez. C'est un dialogue. Il va falloir retrouver oh, de quel jeu est ce dialogue. Wow. Je suis nul à ça. Ah, ouais. <laughs> on va jamais, on va jamais gagner, Joris. Il n'y a, que vous, vous deux. Y y a que vous deux. Ça. Nain 1. Il faut vaincre les nains. Nain 2. Mais c'est nous, les nains. Nain, Warcraft un. 3 oui Joris Warcraft 3, na nin... 1 Oh de quel jeu est ce dialogue Effectivement, il s'agit de Warcraft 3, tu vas piocher donc deux jeux. Donc pour les auditeurs qui sont en train de nous suivre, je suis en train de piocher dans la casserole. Je pioche deux jeux. Voilà. Avec mes petits doigts potelés Tes petits doigts potelés. J'essaie de tricher si je peux, mais Nicolas me regarde. Non, je te regarde, désolé. Ne triche pas. Attends, j'en ai deux, c'est bon. J'en ai deux. Alors, c'est parti. Quels sont les deux premiers jeux que tu as choisis Alors... Oh, putain, il y a Oh là là. Ça tombe bien, dis donc. Nous avons donc comme premier jeu, nous avons Into the Breach. Ouais. Que je n'ai pas joué. Et nous avons quand en deuxième nous avons Red Dead Redemption 2. Oh non! Oh j'ai beaucoup aimé Into the Breach. <laughs> Je trouve que c'est un jeu indépendant, un roguelike euh, très séduisant, et avec euh, des, voilà. mé des mécaniques de gameplay qui sont euh, tout simplement géniales. Génial. Et la, la, la breach, elle, elle est. Et la breach, et l'intro, elle est très cool aussi. <laughs> voilà. Et j'ai envie de te dire, bye bye Red Dead! Eh bien, et Red, Red Dead Redemption 2, 2 qui prend donc euh, d'ores et déjà la 20 e place de notre classement des, des jeux de l'année. Voilà. Ah, il y, y, y a un truc qu'on n'a qu pas précisé, c'est que chacun, on a le droit à un veto. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est voilà. vrai. Alors oui. Donc, quand, quand, on tire les, quand donc, le gagnant tire les deux jeux, il donne les noms des jeux, mais il ne dit pas encore son verdict, parce que l'un de nous peut balancer un veto. Voilà. Et là, il va devoir repiocher deux nouveaux jeux. Parce que si on a notre jeu préféré dedans, on n'a pas envie de le voir éliminé voilà. face à. Donc, très bien. Red Dead Redemption et Into the Bridge. Non, non, il n'y a rien. <laughs> là, oh mais oh, bah, je là, au cas là, où. Autre chose dans le tas. Non, ah, non, mais c'est au cas où. Hein. Donc, Red Dead Redemption 2 euh, qui prend donc la 20 e place de ce classement. John, tu peux peut-être nous repitcher très rapidement Red Dead Redemption oh, 2. Red Dead, c'est quoi C'est du, du grand réalisme au Far West, euh, comme c'est faire Rockstar avec une maniabilité hors pair. <laughs> tu pitché, non Ouais, c'est très bon. Il n'y a, y a pas besoin drôle. de repitcher ce jeu. Allez, bah, c'est parti. On va jouer maintenant la 19 e place. Joris, c'est à toi de poser la question. Très bien. Une question des grands jeux. Mm -hmm. Quelle est. L'une des ressources principales du jeu de stratégie, Edge of Empire. Le bois. Non. Euh, le bois. Oui, c'est le bois. Exactement. En fait, c'est que j'avais déjà ma réponse dans la tête avant d'écouter le <laughs> <ton rire> jeu. Oui, mais Honnêtement, l'or, c'était une très Ouais, t'as, tu dis. Mais alors que oui, et oui, <laughs> c'est débile ce que j'ai fait. Très bien, j'ai donc mes deux jeux. Il s'agit de Celeste. Oh là là. Et de Vermintide 2. Euh... J'ai eu peur. Oui, moi aussi j'ai eu très peur. Ou oh, attention, nous avons un veto Non, non, je veto pas. Mais déjà, j'apprécie beaucoup Vermintide. Je eh bien, c'est Vermintide 2 euh, qui va nous quitter. Euh, qui va donc prendre la 19 e place de ce classement. Et John, tu vas nous en parler Vermintide, Vermintide, si on devait résumer rapidement, pour ceux qui ont joué à. Enfin, le 1 et le 2, bon, c'est la même chose. Pour ceux qui ont joué à Left 4 Dead. C'est un live Dead dans le monde de Warhammer. Euh, ouais. Warhammer et euh, c'est vraiment, vraiment très 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 très, 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 très bien. bien. C'est très dur, ouais. pour eux, mais c'est très très bon. C'est à jouer quoi. Un game de ouf, vraiment bien. Ouais. ouais non, franchement c'est très très cool. Nouvelle question. Alors il y a une bonne réponse. Donc si vous avez la bonne réponse, vous gagnez le point. Ouais. Mais c'est assez compliqué. Donc... Réfléchissez bien, la réponse qui me fera le plus rire sera celle que je, ce, oh là là. dont je déciderai. Ok Alain Chabat. quel était le slogan qui accompagnait Tetris lors de sa diffusion mondiale oh, Ouais, c'est mieux quand ça s'emboîte. John, c'est une bonne proposition. Je même, exactement pareil. <laughs> J'avais dans le même truc. Ah, attends j en trouve une. Ah, je pas. Je laisse le point à John. Eh ouais, bah, très bien, c'est très 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 bien. Euh, ça c'était From Russia With Fun. Ah, <laughs> ouais, c'est hein. un russe. C'est vrai, que C'est un, bah ouais, un russe. C'est plutôt rigolo. <coughs> ok. John, tu je vas donc calmer. piocher deux jeux. J'en ai un. Et j'en ai deux. deux. Alors nous avons Tetris Effect. Ouais. Oh. Et Spiro. Ah bah alors là. Ah là là. Il <laughs> ah ah y un veto sur le, non, le Tetris parce que c'est clairement où ça va donc. Tetris effect au revoir Tetris effect qui prend donc la 18e place de notre classement alors Tetris effect qu'est-ce que c'est pourquoi il a sa place absolument dans ce classement euh, en tout cas j'ai demandé ah non il n'y a pas de on se demande j'ai pas du tout forcé j'ai pas du tout forcé pour qu'il y soit euh, non moi je trouve que c'est un jeu exceptionnel hein, c'est par les créateurs de Rez et c'est un jeu qui mélange le rythme et le Tetris c'est hypnotisant, c'est magnifique. Il y, a des, il y a des superbes tableaux. C'est très très dur, mais c'est une ambiance qui, qui clairement est, est tip-top. Voilà, avec de la putain de bonne musique ouais, et du marrant. putain de bon Tetris. Et c'était vraiment très, très cool d'y jouer. Ouais. John, c'est toi qui nous poses la prochaine euh, question. C'est parti. Alors, euh, question donc toujours ah, le thème des grands jeux. En France, la série Prince of Persia est étroitement liée à Ubisoft, oui. propriétaire de la licence depuis 2001. Oui. Mais quelle société de développement l'a créée Ah après... putain, je sais. Ah, je le sais. Ah, Eidos euh, Non. non. C'est... Ah, c'est le truc avec le, le tatou dessus, là. Ah, Infogram Non. Infogram, non Non, non c'est pas Infogram. Non, ça m'aurait étonné. Est-ce que c'est une société qui est encore vivante Non, je pense pas. Que... aucune idée, je connaissais pas le nom. Ah ouais Ah, <laughs> c'est vrai <laughs> Bon, bah, chiant, je sais qu'on n'y arrive jamais. Broderbund. Ah <laughs> ouais. Non, bah, laisse tomber. C'est <laughs> sais pas si c'est Infogram. Bon, bah, je Ok. Chiant. Alors, la question que j'ai perdue. <laughs> ah, ta mère <laughs> John <laughs> les mains en vous. ok alors la question donc là c'est une réponse numérique donc on va être sympa le plus proche gagne très bien okay, on n'est pas non plus okay. des, des salauds euh, combien de voitures est-il possible de piloter dans Grand Tourismo 4 euh... Euh, comment on fait c'est euh, chacun son tour ou pas euh, ouais ouais je commence je okay. commence ok réglo ok je réglo. dirais 183 120 720 oh, à oh quoi <rire> <rire> C'est <laughs> oh, Nico qui gagne. Ah ouais d'accord, 721. Oui on y, ah, on y ah, était okay. pas du, ah, du, ah, non, du quoi, tout. Non. Messieurs dames, Dead Cells versus God of War. Oh. Oh. Pas de veto Non. Mmh. Non. Ah. Soeur, hein. Eh ben c'est Dead Cells qui va nous quitter. Non, God of War quand même. Ah, est... Bon ah ouais, ouais, ouais. Ah, oh, non, non. J'aime beaucoup. Non, non, non. Mais alors, j'aime beaucoup Dead Cells. Hein, mais je trouve que God of War a eu beaucoup plus d'impact cette année par rapport à par rapport à ce que Dead Cells a pu produire. Dead Cells, c'est donc un, un roguelike qui est créé en plus par une entreprise française et qui est qui est terriblement bien. Mais il n'empêche que on voit vite les limitations euh, du, du jeu et euh, ben bah, voilà, il y a énormément d'aspects qui auraient pu être améliorés aussi. Il n'y a pas du tout de narration. Il y a pas du tout. Enfin, comment dire? Il y a un plaisir de jeu, mais c'est pas le souffle de l'aventure épique, n'y est pas autant qu'un God of War où ça t'en met plein la gueule tout le temps, où es Enfin, moi je me bah souviens des un, passages que c'est des... difficile de comparer, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est beau dans ce classement, c'est que c'est impossible bien. de comparer deux jeux. Mais euh, vraiment, pour le coup, enfin, euh, je trouve God of War tellement réussi dans la mise en scène, ce plan séquence qui accompagne le jeu du début à la fin, que clairement Dead Cells, pour le coup, ce coup-là en tout cas, ne faisait pas le poids. Alors, c'est parti Dans quel jeu Je vous demande une série de jeux, je vais pas demander juste un jeu. Entendons, entendons le titre Song du groupe Blur. Assassin's Creed Non. <rire> <rire> non. non. Pas Guitar Hero <laughs> je tous les Non. Ah, ah, tu penses à en... un... C'est pas un jeu de musique, c'est pas un jeu de musique. De Double... de. Double... Ah. GTA Non, c'est pas GTA. Enfin, dans quoi il peut y avoir des mus musiques rock, euh... C'est un jeu où, en général, euh, comment dire, c'est des musiques que quand on les réentend après, on se dit ah tiens, putain, c'est la musique qu'il y avait dans le menu de. Ouais, ouais d'accord, FIFA. Ouais, Doris, <laughs> oh <Jouris>, exactement. <laughs> ah, C'était le meilleur indice, quoi. <laughs> putain, je oui, c'est vrai. Mmh. Oh là là. Ouais, euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai, en plus, c'est le genre de jeu, t'as toujours un, ouais. attends, un gars bien. qui te dit Ah, oh, mais attends, c'était pas dans le menu de. Tirage numéro 1. Euh, la musique du GTA, ça, non Ouais, c'est oh, pas... ou de. Oh, c'est ça <laughs> pas... pas... Tirage ah. numéro 2. Alors, ah. attention, quels sont tes deux jeux, Joris Attention, premier jeu, nous avons. Divinity 2 definitive edition. Oh ah, gay, ah, gay, ah, gay. merde. J'espère que c'est pas Bradin. J'espère que c'est pas Bradin. J'espère ah que, ouais. que c'est pas Bradin. J'espère que c'est pas Bradin. Oui, J'ai oh putain c'est Bradin. <laughs> <laughs> oh mon oh, Dieu. Hey, c'est droit. T'as droit de mettre ton veto à toi sur le sur ce tirage et as ah oui, un nouveau. T'as cramé ton veto de la. T'as cramé ton veto parce que t'as pas envie de confronter ces deux jeux. Ah mais je je pense que je vais mettre un veto sur moi-même. Hein. Ouais ben bah voilà. Attends je réfléchis. Non je me mets un veto. Non je peux pas choisir. Non, 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 j'ai eu trop d'émotions avec cette D'accord. Alors, vas-y, bah, oui, ouais. Tiens-en, Tu as les mains qui tremblent. Ouais, ouais, je vois ça. ça putain, dis donc, t'es fébrile. Hein. Alors, j'ai deux à... autres totalement différents. putain. <laughs> je crois que C'était dur, ouais. Non, non, je le Nous pas avons donc Spiro. Merde. Suivi de. Excusez-moi. De Godafoire. Ah Bah, je ouais euh, ouais, je suis désolé même par, J par cœur hey, je J je balance J pas, pas mon veto mais c'est vrai que là ça va être du non mais ça oui ça va être du god of war et oui non, mais, et je balance même pas mon veto hein, même si euh... Bah oui, je m'en doutais, ouais. Donc voilà. Spyro prend la, la 16 place. J'ai peur de, de voir quasiment. certains autres tomber sur de... bah, le, veto, le veto, là, il ouais. commence à se resserrer. Hein. Ouais. ouais. Donc euh, Spiro qui prend la 16e place de notre classement, voilà. tu en as parlé dans l'épisode précédent, ouais, dans tous les épisodes. Et dans tous les épisodes depuis le début, si c'est vrai. vrai. <laughs> <Vous> le... <laughs> il comprend aujourd'hui. Le... en parler au épisode de janvier. Très bien, Joris, c'est à toi de poser la prochaine question. Nous sommes toujours dans le thème, le jeu vidéo et les arts. Ah, il faut savoir que les questions, c'est pas des questions qu'on a préparées, hein, vu qu'on a, on n'a pas eu non plus énormément de temps pour. Ouais, on n'est euh, pas préparer. forcément doué pour ça. Donc c'est la gamer box euh, <laughs> que vous pouvez retrouver en magasin et on est très peu doué pour écrire les questions. L'année prochaine promis, c'est 100% fait maison. Ah oui, avec un nouveau système, hein, on va se mettre ouais. à chaque fois. Hein. Peut-être on pourra faire un Pictionary, C'est vachement bien pour la radio. <laughs> oui, hein. voilà. On dessinera, on fera des, Tiens, on frottera le micro et par le son, les gens devront. Ah putain micro. ouais. Quand on, aura, quand on aura un vrai... Euh, ouais, ça marche. Ouais. Alors, on y Alors, oui. Nous sommes dans la catégorie les héros. Attention, ça peut être très rapide comme ça peut être très long. <laughs> ah bon, bah, voilà. Voilà qui est... C'est voilà pertinent, hein Je vais vous poser une question. Vous pouvez y répondre. <laughs> dans quel jeu apparaît pour la première fois Mario Donkey Kong. Ah ouais. oh, putain le bâtard, ouais, je voulais le dire, bien entendu. Bravo John. J'avais la réponse avant d'avoir le... la question, les gars. Tu m'avais dit de l'ordre, John, je tu accepter accepté la réponse. <laughs> bien entendu. Merci, merci. Alors, Alors nous avons euh, Celeste et Overcooked 2. Alors, même pas, j'attends même pas de veto, parce que j'adore je... Overcooked, mais pour... Euh j'ai pas joué à céleste mais après avoir écouté le, le, le fin du game qui parle de céleste je peux te dire que j'ai envie d'y jouer à... Enfin, à fond quoi j'ai vraiment envie de me le, le faire. Extraordinaire. Ouais, Overcooked vrai. 2, euh, donc c'est le fameux, la suite du jeu de coop. C'est vrai que euh, c'est un jeu qui marche terriblement bien en soirée. Hein. Ça, ça, ah ça, oui. ça, ça fonctionne à ça tous est les coups. C'est un coup. très très bon jeu. Le truc, c'est que par rapport au 1, finalement, il y a très peu d'améliorations. C'est juste euh, des niveaux supplémentaires, des recettes ça. supplémentaires. C'est un 1.5, Voilà, c'est un 1.5, exactement comme Splatoon 2 euh, l'est euh, par rapport à Splatoon. Très bien, ben John, c'est à toi de poser la prochaine question. Et eh oui, très bien. Allez, je vais, je vais continuer dans les héros. Donc, Overcooked 2, 15e. Tout est dit. Tout est dit. La messe est dite. Ok, euh... ça va être très rapide. Ah, j'ai trop l'impression. Ça va être très, très rapide. <laughs> je déteste ça. Donc, Toujours dans les héros. Dans la peau de quel personnage suis-je dans la série Zelda Link. Link. Oh, ah, c'est Joris, bien, ouais. <laughs> T'étais en stress. T'es sûr que c'est moi qui ai gagné non, ouais. Batman. Ah non merde ah, non. Voilà, mais vas-y c'est bon. Pire. Joris donc il va piocher ses deux jeux et qui va en tirer. Si je retire Divinity au Braden, je pense que... Ah t'as plus de veto. Hein. T'as plus de veto ouais. <laughs> J'arrête le game. <laughs> je quitte le podcast. Sous. Je quitte ce putain de podcast. Et nous allons pour commencer... Bon alors c'est déjà tout vu. Donc nous avons Pokémon. Oh putain. <laughs> Eh merde <laughs> Suivi de Kingdom Come Deliverance. Et vu comme j'ai kiffé Kingdom Come Deliverance, euh, je pense que je vais mettre Pokémon à la trappe. Eh bien Pokémon qui prend la 14 quatorzième place de wow. ce classement. Ah, Pokémon bah. qui, qui, qui a le mérite quand même de ne pas être euh, un simple remake, hein, mais vraiment un... Enfin de ne pas être un simple remaster, mais vraiment un vrai beau remake euh, en 3D avec... Voilà, c'est euh, une refonte, voilà, une refonte quasiment totale système. du jeu. C'est vrai que c'est... Ça reste malgré tout un remake relativement paresseux, mais c'est voilà une petite friandise à se mettre sous la dent en attendant le bah prochain. Les qui ont jamais connu euh, le exactement, et c'est très bien comme ça, et c'est très bien que les gens les, les, les comme ça. Ok, euh, bah, Joris, c'est à toi de poser la prochaine question. Et attention, prochaine question. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Dans quel jeu le héros s'exclame-t-il Your face, your house, what's the difference euh... De Klingkam Ouais ah, putain. Tain, Ouais. Je... Putain mais ça fait chier c'est le plus... c'est le plus <laughs> perdre C'est celui-là il fallait pas perdre <laughs> Ouais Nico Les autres c'est pour ah, du beurre ouais, ouais, Tu vas voir quand il y a Céleste qui va perdre pas Alors mon vieux J'ai 15 veto Pas rien faire J'en ai deux J'en ai deux Donc nous avons Kingdom Core oh, Deliverance oh, ouais. Face à Tiny and Tall Ah bah ouais, c'est ouais forcément T'as plus de veto hein Désolé ah bon bah mais j'aurais pas mis. tu mets pas de veto, Nico. Hein, hein. Non, tu gâches pas. pas le tien. Donc uh, Kingdom Come qui ah là. part à la combien de place? 13e place. Ah bah c'est pas place. mal, c'est pas mal. Bah Kingdom mal. Come Deliverance c'est euh, un peu mon, un mon ouais mon petit chouchou, mon petit coup de cœur de, du février dernier là. C'est euh, disons un RPG euh, old school euh, hyper réaliste avec euh, donc dans à l'époque du Moyen Âge et c'était vraiment très très bien fait, super fun. Quoi dire d'autre Je suis déçu que soit la 13ème place, quoi. C'est bah il, 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 il est sorti tout flingué, mais c'est vrai que maintenant, bah, voilà, bah, est, il est tout, est, sorti tout est flingué, et un mois après, il était au, il était au top, quoi. Il voilà. manquait, il manquait un, petit peu de, un petit peu de peaufinage, mais il est vraiment, vraiment trop bien. John, question à moi. Alors, question euh, la catégorie Geek Corner. Oh, qu'est-ce donc Dans mm -hmm. quel jeu... Oui. <laughs> Je aucune idée des catégories, en fait. Hein. <laughs> mais dans quel jeu de conduite peut-on effectuer des takedowns Bernard, de euh, centraliser ses ennemis. Non, non. Et ouais, c'est Joris. C'est mon jeu de voiture Jory, préféré. C'est Joris, c'est Joris. Ok, c'est parti. C'est Messi. Messi, 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 Messi. C'est parti. Mais mais voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là Et nous avons donc en premier... Divinity 2 Definition Edition, suivi de. C'est quoi Super Smash Bros Ultimate. Oh C'est dur pour Oh là là. Oh, ça, ça va être dur pour Joris. C'est dur pour Est-ce que quelqu'un va poser un veto <laughs> Non, Joris. Est-ce que je vais devoir <laughs> <à> galérer <laughs> Je te, ah, <laughs> je te bah, Non, ben, bah, ça va être euh, Divinity 2 hein, pour moi. C'est Divinity 2 qui reste Eh ouais. Et bien, ben, de... Smash Bros Ultimate qui tombe à la 12 e place. Oh là là. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Là, je... Un coup de poignard dans le cœur. Ouais. Bah, Smash Bros. Ultimate, hein, quand même, c'est vraiment pour le coup la, la, la référence du jeu multijoueur. Enfin, pour le coup, je pense qu'en sur Nintendo Switch, il n'y a pas énormément d'autres jeux à avoir si tu veux passer une bonne soirée que Smash Bros. Ultimate. Après, il va falloir aller voir dans... Il bah, y a Mario Kart. Mais voilà, c'est un est jeu... Le qui... top. Voilà, c'est le top. Ouais, je trouve que c'est le top. Donc c'est à moi de poser une question. Oui, oui. Très bien. Allez, question euh, compliquée, je pense. Dans quel jeu... Y a-t-il des zombies pharaons Des zombies pharaons Dans Tomb Raider Non. Ah putain. C'est un jeu de zombies. C'est un jeu de zombies. Zombie Raider Non. <laughs> non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ça serait un Zombie. très bon concept. Euh, Dead Island. Alors, euh, c'est... Je pense pas... Le premier, Rising. pas le premier jeu que vous penseriez. Ah ouais, Dead Rising Left 4 Dead. Ouais, euh, je... c'est clairement pas dans ce domaine-là. D'accord, de vs ah. zombie Oh, bien Oui oh Yes Merci Nico. Quelle version hein euh, Modern Warfare Gardement Non, le 2, c'était le 2. Ah, c'est le 2, c'est le 2. Bah écoute. Ah, j'ai trop la pression. Alors, alors de... messieurs dames, <laughs> Divinity 2 definitive edition versus Tiny et Toll. Le Toll. Ah, bah... Ok, très bien. Allez, bah, je te laisse conserver ça. Je repioche donc deux nouveaux jeux. Quel bâtard! <rire> <rire> je vais le voir monter au moins au top 10. <laughs> Céleste versus God of War et eh oui, et je pense que tout le monde l'a déjà compris, c'est déjà fini pour God of War, qui, bien, nous... qui nous quittait ça à la 11e place, 11e place 11e pour place. God of War, ouais, ouais, oui, bien. exactement. Donc, euh, Joris, est-ce que tu peux peut-être le pitcher On en a déjà un... Bah, peu. God of War, c'est euh, le, le jeu d'aventure de l'année, on va dire. Extrêmement dynamique, avec des graphismes de dingue, un gameplay euh, ressemblant plus à un Dark Souls que Bizzamole qu'on a connu à l'époque. ouais C'est une vraie aventure épique, mmh. c'est euh, c'est Très, très bien, très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. John Joris, question numérique donc c'est le plus proche qui, qui, qui aura la, 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 bonne la, la bonne réponse ouais, ouais. Quel était le prix de la Playstation en francs lors de sa sortie en France en 1995 3000 francs 3000 francs, John 2900 oh, <laughs> C'était 2099 John, c'est toi oh, qui ah, remporte 2000 francs à peu près ouais, Que 2000 francs, ouais C'est ouais. marrant, ouais, je... ouais, 300 euros ah ouais, c'est pas pas cher. Enfin, est pas si pas bon, bon, Après, t'as toujours l'inflation et tout. Ouais, tout ouais, bien que, sûr, mais ouais. mais c'est vrai qu'effectivement, je me serais attendu à, à beaucoup plus. Oh ouais. merde. Aïe aïe ça va être dur. Tiny and Tall ouais. Oh non. Et ah, Céleste. Ouais. Ok veto. <rire> <rire> ok. Alors à partir de ce moment-là, plus personne n'a de veto <laughs> les gars. Ouais, ouais, c'est tout le monde, alors, tout le monde tire à je, les mets côté, <rire> <rire> je les Mettre de côté. Mettre de côté. Oh. Ça te nous tire avons, nous avons un nouveau. Pas sorti depuis tout à l'heure. Ouais. Detro Detroit Become Human. Ouais. Et Return of the O'Reilly. Ah, oh, voilà. Bon. On sait très bien que c'est Return qui reste. Ouais. C'est Detroit. Qui dégage. Nico, un petit mot sur Detroit? Ouais, bien sûr. Bah, Detroit: Become Human, c'est donc le nouveau jeu de de, de David Cage, hein, celui qui a fait euh, bah, tous ces tous ces jeux euh, narratifs soi-disant à choix multiples. C'est vraiment son jeu le plus abouti. Hein. Il avait fait euh, avant comment ça? Eviraine et euh, Become Human: euh, euh, Souls. Beyond Tussles, ouais, Souls, Souls, ouais. qui était terriblement chiant. Beyond Two Souls, c'était vraiment ouais, très il était pas très intéressant. Euh, Rain, moi, je l'ai toujours trouvé un petit peu limite. Ouais. Toi, t'avais beaucoup moi, avais aimé, Joris? Mais moi, je l'ai toujours trouvé un petit peu, un petit peu juste. Ça reste des jeux qui m'intéressent énormément et que je que je avais continue par contre, de avais suivre. J'avais adoré Fahrenheit mais en même temps, c'était pareil, l'un de mes premiers jeux sur PC. Oui. Donc, il y a toujours ce, ce poids-là. Donc, très voilà. Bien. Detroit Become Human, qui qui tombe à la dixième place. Okay. John, Tu vas nous ça poser, poser une petite question. Allez, tout se resserre, là. Là, il faut ouais, gagner. Elle, hein. Attention. Euh, on va faire une petite question. Euh, ok. Eh, ouais, ça peut être. Ça peut être compliqué, je sais pas. Alors, Devil May Cry, le shoot 'em up, mm -hmm. était initialement prévu pour être le quatrième opus d'une célèbre licence. -ce laquelle Non. Ah, C'est ce pas con, Castlevania. Euh, une célèbre licence euh, d'époque, du coup. PS2, PS1. Medieval Genre Non. Non. Je sais pas. <laughs> wow. ouais, on écoute <laughs> Oui <Non, rire> C'est vraiment la euh, direction artistique euh, qui part alors, en couille. Je vais donner un, nom, un indice, juste ouais. un mot. Euh, zombie. Présentez-vous euh, ouais. Oh, ouais. Ah bah alors putain Sérieux Bravo Ça n'a strictement aucun rapport. Eh oui <laughs> Mais je pense qu'ils ont dévié hein. ils se sont dit on va faire un spin-off. Non, en fait non. Est... non en fait, ça ah ça oui, d'accord, j'aurais jamais trouvé. Bah, effectivement, hein. ils sont partis en se bol. En se blay. Ils sont partis coolement en se blay. C'est joli. du coup. On rappelle, mais nous n'avons plus de veto. Ah oui Là par contre, ça commence à être très compliqué mentalement pas à... j'arrive pas à trouver les papiers dans ma main. Ah. J'en ai un. Hein J'essaie de voir en transparent. Tu n'as pas de main <laughs> ah, C'est bon. Alors, ah. les deux pro Alors, le premier, de... ah. nous avons Divinity 2 ah. Definitive Edition. Merde. Suivi de... Ah Ce retour bras Ah, c'est ah, horrible Le retour <laughs> du dilemme. Le retour du dilemme. Alors, Joris, bah vas-y. Hein. Du coup, c'était seul face à ton choix. Hein. Je... Moi, personnellement, il est fait depuis bien longtemps. Bah écoutez, euh, je vais garder Divinity 2. Ah, oh, oh c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis tellement vrai. triste. Ah, moi aussi, je suis, je terriblement, suis triste. terriblement Ah ouais, triste. non mais euh, je suis aussi. Hein. Putain, mais alors, euh, mon vieux, dès que j'ai Divinity dans les doigts, je peux te dire qu'il se barre. Hein. <rire> ne te <laughs> fasse un jeu que j'aime pas. Hein. Euh, bon, bah Return of the Obradin, hein, c'est la claque de cette oh là fin d'année. Euh, <laughs> Le bah, jeu. Bah, pas vraiment, je... il a fini 10ème. <laughs> voilà. <rire> non, mais ouais, on a, on, on a quand même déclaré tout <laughs> notre amour pour ce jeu euh, à l'épisode 2. Et euh, non vraiment un, un jeu d'enquête euh, extraordinaire à extraordinaire, ouais, faire la, la affaire, musique la musique, la musique putain qui, qui, est, qui est toujours là alors euh, dans Divinity euh, 2 donc... pas terrible la musique <laughs> ouais bon ouais c'est que j'ai pas trop aimé Divinity 2 <laughs> <laughs> quel salaud bon ben bah, Return of the Braden, qui finit donc 9ème de notre classement absolument dégueulasse <laughs> je mélange un hein, parce que j'ai pas envie de vous trouver sur Divinity 2 genre c'est toi qui doit nous poser la prochaine ah prochaine. oui très bien j'étais pas Attention, nouvelle question, messieurs. Oui. Quelle machine était surnommée la Roll-Royce des consoles dans les années 90 La Neo Geo j'ai pas fini mais oui Nico <laughs> non, notamment non, à cause des prix de ces jeux entre 1490 et 3490 ouais. ah oui, c'est ça oui, même. Soit, entre 230 et 540, et 540 euros Nico ouais c'est ça et elle est ressortie en version mini qui est euh, paraît-il complètement dégueulasse <laughs> c'est ce que j'ai vu alors on a Hollow Knight euh, qu'on a mis là-dedans parce qu'il y a eu la ressortie sur Switch et en fait c'est cette année qu'on l'a reçu qu'on l'a qu découvert tous les trois euh, et Slay the Spire, Slay the Spire, auquel je n'ai pas joué, même et si ouais. j'ai très envie d'y jouer, mais qui du coup va prendre la huitième place classe du classement. Oui, euh, très honorable, d'autant qu'il le mérite, même s'il n'est pas encore sorti, il risque de sortir d'ici la fin du mois, mais ouais. pour le moment, il est encore en, en early access. Mais tellement complet qu'on peut, qu peut effectivement l'intégrer. Plus dans le... notre classement, on fait ce qu'on veut. Voilà. Euh, exactement, Joris. Exactement. Euh, tu veux peut-être nous en parler un petit peu. On en a déjà parlé, pas bah, mal. On a déjà pas mal parlé, oui, euh, dans de, des anciens épisodes. Mais c'est un roguelike euh, deck building. Où le principe consiste à monter des échelons dans, dans une tour dans une tour ouais. et à justement construire son build au fur et à mesure en tuant des monstres, etc. Et c'est super addictif et c'est vraiment très très bien fait. Très bien. Et voici <coughs> une citation. Donc oh, on joue ouais. pour la septième place. Hein. Les dos se resserre de ouf. Appelle-moi poupée encore une fois et tu devras ramasser tes dents avec tes doigts cassés. De quel jeu est tirée cette citation Tekken. Non. Putain, merde. On parle ah du... je connais ouais bah du non non alors on est on est sur un jeu qui n'est pas connu pour être forcément euh, dans le dans la provoque hein, dans le dans le parce que par rapport à du Knickem on cherche ah euh, c'est un vieux jeu c'est bah, pas il de commence Island Monkey non Island il commence à se faire vieux mais euh, mais non, il est non, pas non, tout est... à fait vieux je pensais que c'était Monkey Island c'est ah. l'une de mes séries de jeux préférées ah ouais sachez-le après, c'est vrai que. Pokémon Du genre, peut-être plus <laughs> Pokémon, ouais. Appelle-moi encore une fois, poupée, je vais t'éclater la gueule, le connard. Non, c'est <laughs> pas Pokémon. <laughs> là, là je sais pas. Pourtant, Final, ça Fantasy? Non, chose, pas Final Fantasy Non, pas Final Fantasy. Non, c'est un jeu, un RPG. Skies of... Skies of Arcadia Non. Skies of Arcadia, non. C'est un RPG qui se déroule plutôt dans l'espace. Mass <laughs> bah, Effect Et c'est John <laughs> qui le <laughs> récupère. Mais tu <je> sais en... <laughs> <laughs> oui, 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 en plus. Ah oui. Voilà. Et, ouais, bon. voilà. et pendant ça me disait exact. quelque chose, mais je n'ai pas joué. Exact. Exact, 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 Alors John, non, il y a pas, il y a pas de trivia finalement. Alors John, hein. Alors, j'en ai une assez. il ouais, faut que tu tires, les jeux. Eh oui, c'est vrai que c'est pas une question. <laughs> Encore. My bad. Bon. Alors John, c'est parti. Allez, on tire de jeu. Deux jeux. Deux jeux. Alors, et le premier. Donc on joue pour la septième place, hein, pour rappel. <laughs> deuxième oh, oh mon dieu ça va être désolé. dur désolé on a donc plus de veto hein, Divinity 2 et Tiny and Tall. ah oui <laughs> oh, ça va ça va alors je pensais, je pensais que ça allait être complètement injuste. Ouais voilà. <laughs> ouais. Bon, le <laughs> bien c'est que j'adore diminuer <laughs> Je sais, le, je sais. Moi mon cœur de rôliste mais genre <laughs> euh, il saigne là, tu vois. Mais, mais parce que genre j'ai Ah mais c'est ça, c'est ça, c'est ça parce le que genre, jeu. Y... Parce que j'ai envie qu'à tout prix euh, que que Pince fasse à un épisode 2 à Tanito alors qu'il galère à avoir les fonds. Et oui, je bah, pense que en mettant en je première je place, ça va bien ça control. va beaucoup l'aider. Et oui. Voilà. <laughs> mais non, c'est c'est une résonance, il pourra le mettre sur la jaquette du jeu. Approved by Coop and <laughs> In episode et Canal. Épisode 4. Eh bien, a... Joris, très bien. C'est en septième position que tombe Divinity 2 définitive édition. Pourquoi on l'a mis dans ce top alors qu'il est sorti l'année dernière bah Parce qu'il est ressorti cette année en définitive édition. Sur les consoles. Voilà, et c'est une édition justement qui répare vachement le jeu et qui, qui, qui le rend beaucoup plus intéressant. Voilà. John. Donc là, j'ai une question un peu différente, donc c'est pas une question de rapidité. Donc, euh, le thème c'est lequel de ces titres de jeux est imaginaire Je vais ah vous yes. donner la liste. Et euh, Joris, en commençant, tu vas en éliminer un. Donc, euh, en gros, tu vas dire celui-là existe. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est imaginaire. Donc, la liste, voici Pirate versus Ninja versus Zombie versus Panda. Feu de bois chaleureux. Un Warriors, <laughs> Jalove Edition. Il me plaît beaucoup ce ah ouais, Jalove ouais, Edition. <laughs> alors. Alors le quatrième est cool. Derrick meurtre dans un terre de fleurs. Ah je moi je okay. suis. sais Même les pommes de terre ont des yeux. C'est génial. Et Sega Gaga. Non mais c'est impossible. Alors tiens. Donc ah, là là c'est ah, celui le premier qui qui dit euh, un nom euh, imagine, le nom qui trouve le nom imaginaire à gagner. C'est ça. Parmi la liste on a un seul qui est imaginaire. Voilà. Alors non on va faire comme ça. Il y en a qu'un seul qui est imaginaire. Vous allez éliminer l'un après l'autre. Un, un qui existe. Ah, d'accord, okay. Voilà. Et le premier qui se trompe, le premier qui me dit celui qui est imaginaire, bah, il a perdu. Il a perdu. Ok, oh, très bien. Bah, je vais commencer par. Parce que j'aimerais vraiment que ça existe. Euh, je vais dire que. Ah non, attends, c'est quoi qu'il faut faire <laughs> T'es nul. <laughs> Pardon. Euh, je vais dire Ganja Warriors Jal Edition. Bah, c'est le titre imaginaire. <laughs> c'est dur. Oh c'est rapide. Hein. C'est dur. Bah, bah alors je pensais pas que ce serait aussi rapide. Bah ah. Non, Je pensais vraiment que c'est gagagagar. Ben. Savoir que ouais, c'est comme les gaga pommes aussi. de terre en des yeux, c'est un jeu. Quoi. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vrai. Ah c'est génial. Voilà. Gaga. Sans rien faire ni quoi gagner. Bah, moi ça me va. C'est une oui. situation qui me plaît plutôt. Hein. Surtout que le match oppose donc de maintenant Hollow Knight et Into the Breach. Oh, Là, c'est compliqué parce que pour le coup, j'ai joué les deux, j'ai fini les deux, je trouve les deux très, 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 très bien. Mais. Mais il va falloir en éliminer un. Hein. Et. Grah, ça va faire beaucoup de mal. Hein. Mais je pense que je vais éliminer Hollow Knight parce que j'ai vraiment pris un pied monstrueux sur Into the Bridge. Ah, c'est beau. Désolé, Hollow Knight. Tu tombes. Joris, il <laughs> <C 'est rire> en train de s'ouvrir les veines. Ouais. J'ai perdu tous mes jeux. Ah, <laughs> Mais tu sais, ce qui est beau avec ce, ce système de classement. Ah, hum. C'est que là, en regardant la liste, il y en a deux qui sont toujours pas sortis du tirage depuis le début. Exactement. Et en plus, <laughs> est-ce qu'ils y, est qui, est qu est qu y sont vraiment dans le truc Oui, oui. Tout à l'heure, j'ai quand même regardé. Ah, hein, vérifié, hein. triché, mais euh, c'est hyper injuste et c'est ça qui est beau. Ouais. C'est beau parce que c'est injuste, surtout que c'est pas, c'est pas des jeux extraordinaires qui sont encore. Dedans. Exactement. <laughs> tu vas voir. Tu t'en souviens pas, mais tu vas voir. Lors de sa sortie dans les années 2000, la PS2 de Sony proposait une fonctionnalité qui était très séduisante à l'époque, euh, mais qui n'avait pas grand-chose à voir avec le jeu vidéo. Laquelle était-ce Lecteur ouais. DVD. Lecteur DVD, John. C'est toi qui continues et qui va donc piocher deux cartes. Enfin, J'espère que je pioche au moins l'un des deux qu qu'il qui faut te dégager, là. Et non. Et de l'un. On <laughs> fait des matchs. Ah, oh, yes Donc, un qui n'est pas encore sorti, c'est Mario Tennis. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui <laughs> ouais, ouais, à ce moment-là. Et le deuxième, c'est Céleste. Ah, alors. <laughs> il y a, il y a Mon esprit gros connard. <rire> <rire> oh, putain, mais je sais, je sais. Qui aimerait faire tomber Céleste, mais c'est pas ce jeu-là que j'ai envie de faire tomber face à Mario Tennis, il y, y en a plein d'autres, Donc pour l'instant à faire tomber Mario Tennis. Mario Désolé, Tennis. je canapé, tu tombes. Mario Tennis, donc il finit à la cinquième place. C'est un bon jeu, hein, Mario Tennis, il hein, n'y a oui, pas de problème, mais c'est surtout un bon jeu en multi, c'est-à-dire que oui, le mode est solo est finalement assez peu intéressant. Okay, et, euh, ouais. et, 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 et voilà, donc c'est vrai que cinquième, c'est bien payé. Oui vraiment très, très bien payé. Bien payé. Disons qu'il a eu beaucoup de chance. <laughs> quand je vois Bradin en dixième position, ça me fait mal au cœur. <laughs> oh putain moi aussi, mon dieu. <laughs> Alors question. Ça va être compliqué, mais j'aime bien la question, donc euh, je vais vous la poser quand même. Très bien. Donc il y a un jeu dans lequel oui. on peut se doter de la caractéristique du syndrome de Gilles de la Tourette. Ça sera... Non. Euh, la... Ça, enfin c'est même pas, de... c'est même pas de ce style-là, tu vois. Euh, un jeu dans lequel on peut se tout de cette caractéristique. Ah, euh, Rogue Legacy. Non. Euh, petit indice. Bon, c'est perso, mais le jeu. Une des nouvelles itérations de ce jeu euh, était présente à la Gamescom quand on y allait. Ah, Déjà, ouais. c'est un peu compliqué. Oui, Vous oui, avez oui. un stand où on pouvait se prendre en photo. Ah, tropico. Ouais. <laughs> tropico. Ouais. On peut avoir la caractéristique Gilles de la Tourette. Oh putain, bah alors ça C'est génial. Ok. Joris, vas-y. Oh putain, surtout que je viens de lui enlever Hollow Knight, il doit être très énervé. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir piocher Oh mon dieu, c'est terrible. Allez. Oh non, tout objectif, tu Nico. Non, non, bien entendu, bien entendu. Et on commence par Into the Bridge. Oh là là, il va pas faire long feu celui-ci. Suivi de Céleste. Oh et ben je vais garder Céleste bien sûr d'accord et bien Into the Bridge parce que Into the Bridge déjà j'ai pas joué oui et puis parce que Céleste c'est très bien euh, Into the Bridge hein, donc hein, qui finit quatrième de notre classement une place méritée pour le coup hein. c'est un un roguelike mais un petit peu comme un, à la manière d'un jeu de taquin. Hein. C'est un jeu où tous les niveaux sont générés aléatoirement, sont des petites énigmes, et à chaque fois ça fonctionne. À chaque fois, il y a une issue possible à, euh, à, aux situations, euh, avec les unités qu'on a, avec les. Euh, c'est les... un jeu de stratégie qui est d'une profondeur inouïe, alors que c'est un petit truc en, ouais. en, en, en pixel art. C'est vraiment très, très bien. J'avais une interview des développeurs qui disaient qu'ils étaient super contents du jeu, mmh. mais qu'ils étaient vachement déçus parce qu'il était vachement moins bien que Allure Knight. Enfin, <laughs> j'étais vachement déçu par rapport à ça, mais... Euh... Eh oui, mais tu sais, les développeurs, après, ils, ouais, ont après été, bon... ils ont un autre oeil oui rapport ça, à... Ça. Ouais, ouais. Non, mais je comprends en jury, ça. C'est je... à moi, non Oui, c'est à toi. Il oui. reste plus que trois jeux dans l'escarcelle. Euh... Dont un qu'on a jamais vu encore. Dont un qu'on jamais vu et qui, clairement, <coughs> ne mérite pas sa place mais dans il le sera top top Attention, un messieurs, une question vraiment nulle. Lors de sa sortie, la console de jeu Xbox 360 proposait un épisode de la série Call of Duty. Lequel était-ce Modern Warfare <coughs> 2 Non. Modern Warfare 4 Non. Black Ops 3 non. Black Ops. Oh, c est c est, ça, c'est beaucoup plus récent, ça. En tout cas. Ah, c'est la 3-6 bon. 3-6, ouais. Modern Enfer Ah mais oui, on est non. à la 1 non, non. Ah, ah oui, oui c'est Et... pour ça. Ouais, ça fait un Non, non, non. Euh, 4 Call of Duty 4 Non. Call of Duty 3 Non. <laughs> <3. rire> Call of Duty 2 Oui, oui. je oui. connais oui. rien au Call of. <laughs> je connais rien au Call of. Là, il ne reste plus que 3 choix Il ne reste plus que 3 choix. C'est un... Alors, il s'agit de Tiny and Tall versus Céleste, euh, ce qui signifie qu'il y a un jeu qui ne mérite absolument pas d'être là, qui est encore là. <laughs> euh, mais en tout cas, voilà, désolé pour Tiny and Tall, euh, qui va prendre bye bye. Donc la, la troisième place quand même, hein, le pied du podium. Ouais, C'est pas, pas, dégueulasse, hein voilà. John, tu veux peut-être nous en parler un petit peu. Bah ouais, Tiny and Tall, mon Alors petit chouchou, ah bon. le petit point entinklik, euh, ambiance, euh, ambiance cartoon euh, euh, dans un monde euh, nordique avec des dieux nordiques et tout ça. Euh... Un jeu 1D, hein, faire un peu un mec euh, assez génial, donc euh, je suis triste qu'il disparaisse. mais top 3 quand même. Top, top 3, 3, franchement, voilà. c'est pas de ouais, la merde. Hein. On va se retrouver derrière euh, <laughs> autre okay. jeu. Donc maintenant, le, le duo final euh, va être tiré donc, tout à l'heure. Euh, moi, je n'ai plus du tout la main dessus, du coup, je suis un petit peu deck parce que je m'en rends compte maintenant. <laughs> ah non. Est-ce qu'on est qu peut... Est-ce qu'on donne d'avance Non, on le dira ah, non, 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 On surprise, le sait. Non, c'est C'est surprise. Drôle. surprise. <laughs> oh là là. Quelle Cultissime chaîne de télévision traitant en de jeux vidéo à ah, pour slogan Il n'y a pas que la vraie vie dans la vie. Game one, no life. Joris Merde yes. Yes. <laughs> Alors, il euh, faut yes. savoir, c'est quarantaine. John m'a dit que quoi qu'il arrive, il éliminerait Céleste à la fin. <laughs> Le, si c'est à J'ai rien dit. Si à Joris n'a rien dit, donc tout est encore possible. Joris, quels sont les deux jeux que tu as tirés Donc, sans surprise, nous avons Céleste. Qui s'est bien battu, Qui s'est bien battu. Qui s'est <laughs> ouais. bien battu. Parce qui que c'est le moment qu'on l'a. Et Just Shapes and Beats. <laughs> Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là Un jeu qui sort un peu de nulle part, quoi, on va dire. Ouais, c'est moi qui le dis. Mais pousser. qui se retrouve peut-être premier ou deuxième. Et voilà. Et ouais. que alors, vais alors que vais je faire Que vais je faire Est-ce que, est que tu veux. Avant de prendre ta décision qui, qui peut être très lourde de conséquences pour la suite de ce podcast, est-ce que tu peux. <laughs> <Soit> notre <amitié. rire> de notre amitié. De notre amitié. On peut peut-être refaire le film de ce qui s'est passé ce soir. Donc 20ème. Eh oui. Red Dead Redemption 2. 19ème. Vermintide 2. 18ème. Tetris Effect. 17ème. Dead Cells. 16ème. Spyro. 15ème. Overcooked 2. 14 e Pokémon. 13 e Kingdom Come. Deliverance. 12ème. Super Smash Bros. Ultimate. Mon dieu, qu'est-ce que c'est triste de le voir ici, tout comme God of War. En 11ème position, <laughs> c'est horrible. 10ème, Détroit Become Human qui n'a rien à foutre devant ces deux jeux. M'en fait 9ème, Return of the Obrady. 8ème, j'ai encore le cœur qui s'est 7ème, <laughs> Divinity 2, 6ème, Hollow Knight, 5ème, Mario Tennis, 4ème, Into the Bridge, 3ème, Tany Etol, Joris. Second, euh, second, bah écoutez. Un... Ça sera Just Shapes and Beats. Ah, très bien, euh, merci Joris. C'est le premier juste... Divinity 2 juste... parce que c'est moi qui choisis. <laughs> c'est tout, c'est comme ça la vie. Et donc premier et élu jeu de l'année, ouais. c'était euh, Céleste. donc Céleste qui, qui, très clairement, pour moi, est le jeu de l'année depuis le début. Donc je suis très content qu'il arrive en première position. Ce que nous aura appris ce, ce classement... C'est qu'il est nul. C'est qu'il est vraiment nul à chier. <laughs> Mais voilà. Non, c'était qu'on aura frustrant. bien rigolé. Ouais, on aura voilà. bien voilà. rigolé. Eh ben non, la mais frustration, est ça, est ça aurait été terriblement frustrant quand même. Donc on va, on va très vite effacer ça. Je suis quand même très content que Céleste soit premier, mais voilà, il y, y a quelque chose. On, on, on vous mettra dans la fiche descriptive de l'épisode euh, le, le, le déroulé, le petit classement. <rire> horrible, horrible, horrible. <laughs> <laughs> ok. Voilà. Bon bah Voilà, euh, voilà c'est bon. On va passer bah, à nos attentes et à nos non attentes de 2019. On va décerner nos Yolo et nos OZEF. Euh, d'or, d'argent et de bronze pour l'année 2019. Et c'est parti pour notre désormais traditionnel, puisque c'est la première fois qu'on le fait, mais on se dit qu'on le fait l'an prochain. Euh, les traditionnels prix YOLO et OZEF d'or, d'argent et de bronze pour euh, l'année 2019. Alors, euh, nous avons donc décidé, euh, tous les trois, de, de remettre des prix euh, YOLO d'or, YOLO d'argent, YOLO de bronze pour les jeux qu'on attend absolument en 2019, et des OZEF, OZEF d'or, OZEF d'argent, OZEF de, euh, de bronze, pardon, pour les jeux dont on n'a absolument rien à foutre en 2019. Euh, John, c'est toi qui va commencer et tu vas nous donner tes YOLO. Donc en commençant par le YOLO de bronze. Ok, alors yodo, YOLO de bronze, j'ai euh, Baba Is You. Alors Baba Is You, ouais, c'est ouais, vrai. Moi aussi, ça, euh... ça me fait bien <laughs> envie cette affaire. J'ai vu énormément de choses dessus. J'ai pas réussi à y jouer à la Gamescom. Euh, non, on n'a pas réussi à y monde derrière. Mais, euh, mais c'est hyper intriguant parce qu'en fait, c'est un, un puzzle game mm. où. Euh, où en fait les les il y a des règles qui changent à chaque fois. Enfin c'est hyper c'est hyper compliqué à expliquer. C'est une saloperie. c'est gravement voilà. bizarre aussi non hein C'est chelou. Hein. Graphiquement c'est ouais, dégueulasse. C'est comme mini. Ouais ouais. Moi ouais. ouais, ouais. ouais, chelou mais bon c'est c'est dégueulasse. Dégueulasse <laughs> tu peux y aller. <laughs> tu vois en fait c'est par exemple euh, Baba donc c'est le petit personnage que tu que tu que tu diriges donc Baba is you donc c'est à dire que tu diriges Baba et par exemple s'ils disent flag is win c'est à dire que tu dois amener Baba sur le, drapeau. sur le drapeau voilà OK mais après, et ça, en fait c'est trucs... des instructions qui sont écrites sur le champ de jeu donc c'est-à-dire que tu déplaces baba et baba va va en fait aller autour des mots et tu vas pouvoir pousser le mot et au moment où tu pousses un mot genre si tu si si au lieu de baba is you tu remplaces baba par euh, euh, flag bah du coup flag is you, ça veut dire que bah toi maintenant tu déplaceras le drapeau. Voilà. Use. Et peut-être qu'en faisant ça après ça devient par exemple euh, water is win. Et en fait t'as de l'eau et t'amènes le drapeau. Dans, dans de l'eau, et du coup, tu voilà. gagnes. En fait, c'est vraiment un puzzle ah, parce qu'en fait, t'as des trucs, des non, mécanismes entre guillemets qu'il faut déplacer pour avoir accès à ça. Et c'est. Euh, il faut absolument, faut acheter, ça, pour, bien pour bien comprendre regarder. le truc, il faut ah. voir une vidéo. Ouais, parce Donc, que voilà, c est, c est ça, ça aurait compliqué. pu être euh, à l'origine une de mes attentes de fin 2018, mais il a tellement de retard, et le, le dev, fin, Alors, de retard. il a un peu de retard, ce qui fait que. En fait, il, en fait il a, ce, il a, début, ce qui, début, qui est très très drôle, c'est que j'entendais une interview de lui, il a pas du retard parce qu'il a pas fini le jeu, le jeu est fini depuis très longtemps. Non, non. C'est juste qu'il a terminé le jeu, il s'est dit. Merde, j'ai pas commencé la com. Donc du ah. coup, il a retardé le jeu parce qu'il voulait faire un peu de com parce qu'il avait fait tourner vachement en salon, mais en plus voilà. il n'avait pas du tout parlé du jeu. Ah. Donc euh, donc le jeu est prêt, le jeu est terminé. Il a même dit qu'il avait euh, enlevé une centaine de niveaux de son jeu qui était beaucoup beaucoup trop dur. Donc ce qui est cool, c'est oui. que ça veut dire qu'il en a sous le pied et qu'il sait quoi faire avec son système de jeu. Et, euh, et voilà. Donc du coup, pareil, c'est une, une grosse attente que j'ai. C'est pas dans mes yolo, mais. Euh mais j'attends quand même. Voilà. Yolo d'argent, je... YOLO d'argent, ben le Pokémon 2019. Ouais. Ils sont censés nous, nous annoncer, donc je sais pas, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Euh, franchement, s'ils nous font une refonte totale, euh, tu l es, l es, l es, les 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 petits fanarts. Ouais, les petits art avec les ouais. le le Zelda-like en mode Pokémon. ça serait ça serait, ça serait ouf. Ça serait démoniaque. Donc euh, comme y a pas trop d'infos, ça reste en mode argent, tu vois, pour moi, parce que je je sais pas trop à quoi m'attendre, donc on verra. Ouais. Et donc, le ouais. yolo d'or. Yo <laughs> moi, en fait, euh, ayant extrêmement euh, kiffé. Euh... Life is Strange saison 1. Bah là, maintenant qu'il y, la... y a le 2, pour l'instant, il y a l'épisode 1. Je vais me sortir un, un jeu qui n'a aucun rapport. <laughs> et <laughs> Mais ouais, vraiment, non, euh, bah, la Grand Tourisme au 6. c'est moi 6. La 6. Siège 2. Non, là, pour l'instant, c'est épisodique, donc euh, j'attends vraiment qu'il y ait la totalité des épisodes pour y jouer. Ouais. C'est euh, ce un jeu ce dont on, de... on va reparler. En 2019, j'en reparlerai parce que je le ferai quand il y aura tous les épisodes. Ok. Voilà. Ok, Joris, ton YOLO de bronze pour l'année 2019 Alors, pour mon YOLO de bronze, c'est Kido, Shadow Diet Toys. Ouais, c'est vrai, c'était bien yeah. ça. Hein. On a ouais, c'était vraiment ouais. Ouais. Euh, très, 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 très dur. Très, très dur. Enfin, oh. sauf pour moi, moi, j'ai pas survoler. à Négociable. Ouais, mais... euh, <laughs> euh, Bah Voilà, parce que c'est From Software, j'adore leur jeu, euh, C'est le genre de jeu que, que je kiffe. Euh, je l'ai pas mis dans Argent War parce que. Moi ce que j'adorais vraiment dans les Dark Souls c'était vraiment le level design et, et l'univers, c'était vraiment gigantesque, c'était des niveaux... Là hein... c'est beaucoup plus lumineux en plus. Hein. Ouais c c mais bien vraiment bien. Un, un design qui était vraiment très particulier ouais. et c'était vraiment pff, épique quoi. Ouais. Euh, mais du peu qu'on a vu à Gamescom c'était vraiment cool au niveau de la, du gameplay ouais. bah, mais ouais. à voir en, en termes de level design euh, comment ça agençait. Ouais. Et euh, donc, Mais bon, j'attends. On a eu un t-shirt aussi donc. On a euh, eu un t-shirt. Ouais, ça un Ça c'est super cool. YOLO euh, D'Argent. Alors YOLO D'Argent, euh, comme vous le savez, j'adore la rando. <laughs> c'est vrai. Ah. C'est vrai, Joris. Et du coup, quand on parle d'un simulateur de rando euh, comme Death Stranding, euh, moi ça me donne envie. <laughs> c'est vrai, c'est vrai en même temps. Non mais parce que voilà, c'est un jeu qui m'intrigue. Ça, ça fait euh, maintenant quelques années que qu'il en, qu en attente. Et tu le vois pour 2019, toi euh, Je crois. Bah, oui, je crois. Ah, je crois. Je crois qu'ils même... qu sont en juin 2019. Je ne que, que... sais plus si c'est des rumeurs ou une annonce. Non, c'est des je rumeurs, rumeurs. Je crois qu'ils sont quand même, même eux-mêmes confiant pour un 2019. Moi j'ai le dis pas. Moi j'ai confiance. C'était en 2019. Hein. Juin 2019. Je sais plus dans quel. Euh... Ah, toi t'es précis quand même. <laughs> non, 24 cas du. Deux être une rumeur style un. Dumeur, oui. oui oui. Un Walmart qui a qui a qui a sorti qui a sorti <laughs> un, ouais, un... Voilà. Non, non, voilà, un bundle. Euh... j'y crois parce que c'est ido Kojima. J'adore ses jeux et que je pense que ça va vraiment envoyer. Ouais. D'accord. Et ton Yolo dehors? Le remake de Resident Evil 2. Ouais. Ça pour le coup. Qui va être une tuerie. J'ai adoré le. pour moi Resident Evil 2 c'est le meilleur de la saga. Et je l'ai, je pensé, mais j'ai dû le finir trois, quatre fois. En plus, dans, dans, ce jeu, quand tu recommences, t'as des scénarios qui s'embranchent avec d'autres personnages et tout. Donc c'était vraiment une, re une rejouabilité. Et quand tu vois le Resident Evil 2, le, le remake, là, c'est... Ça va vraiment d'envoyer quoi. Là, il y a plein de previews qui sont sortis. Ils disent que c'est, ils sont tous non, unanimes. Ça a l'air dingue. Plus, pour le coup, ça sent très très bon ouais, ouais. et effectivement, ça risque d'être l'un des premiers jeux qu'on chroniquera dans Coop et ouais, pendant exactement. 2019. Voilà. Et toi, Nico oh, C'est gentil, John oh. de me demander. Euh, ben bah, moi, mon YOLO de bronze, c'est Metroid 4, euh, Metroid Prime 4. Éventuellement Metroid Prime trilogie si jamais ils veulent bien. Moi en tout Ouh. cas je le prendrai c'est sûr Un Metroid. Clair. Un Metroid euh, sur Switch. Euh, Metroid Prime 4 parce que tout simplement en fait j'étais un petit peu jeune euh, quand, quand j'ai eu les Metroid Prime sur GameCube et je regrette énormément de pas de pas y avoir joué avec euh, mes yeux de maintenant euh, parce que bah, c'est des jeux qui ont un ils univers sont euh, ils sont qui gros. sont beaucoup plus gros ouais et où je verrai mieux l'écran. Non. non mais c'est comment dire c'est des c'est des univers euh, un petit peu matures avec euh, où tu es tout seul et où tu as une sorte d'ambiance qui, qui, qui est qui est qui est complètement folle, mais c'était pas du truc du tout un truc euh, duquel j'étais client moi quand j'étais quand j'étais petit. Donc c'est vrai que je suis un peu passé à côté et j'ai vraiment hâte de me replonger dans dans, dans Metroid. Yolo d'argent, un ouais. jeu que vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Non. Away. Journey to the unexpected. Alors okay. ah oui ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça euh, C'est un jeu en fait c'est une sorte de roguelike euh, en vue à la première personne où le but pour avancer c'est de se faire des copains donc c'est à dire que c'est typiquement cours de récréation simulator <laughs> Nico il adore faire des copains dans les jeux quoi. voilà non en fait on, on avance donc dans le jeu c'est un style très très cartoon très très enfin euh, euh, pétillant et on rencontre des gens et on se fait copain avec eux et en fait ils nous ils nous prêtent leur pouvoir donc c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir par exemple faire exploser les murs quelqu'un qui va pouvoir euh, euh, tuer des monstres quelqu'un qui va pouvoir c'est comme un... une sorte de Pokémon quoi genre tu enfin pas de Pokémon dans le sens où tu as des mais en fait il y a, y a, un, y y a une il ouais, y a une sorte rock like où en fait tu dois recommencer le jeu et tout je suis... en fait je n'ai aucune idée de comment ça se joue mais moi un truc en graphisme dessin animé où le but c'est de se faire des copains, j'achète cash et c'est YOLO d'argent ah ouais, Donc c'est de te, te dire que <laughs> Metroid, c'est pas trop ma cam à côté de, de ce truc. où C'est intéressant, ouais, est... <laughs> les graphismes sont plutôt mignons. Et mon YOLO d'or, c'est euh, Pokémon 2019, chaque... Pour les copains. Pour les copains aussi. <laughs> oui. Non, non, mais c'est... Voilà, bah c'est euh, C'est effectivement un jeu, euh, un jeu qui, qui, euh, que, que j'attends énormément parce que Pokémon, c'est une série qui, chaque itération est meilleure que la précédente. Et, ben bah, voilà, là avec l'air Pokémon Let's Go c'est simplement un truc pour, pour, pour patienter mais, mais je suis persuadé qu'on va avoir quelque chose de très très bien euh, en 2019 pour, pour Pokémon et en tout cas bah, c'est un jeu que j'attends énormément. Euh, J'enchaîne avec mes, mes Ozef, donc Ozef c'est ouais. les jeux dont on n'a absolument rien à foutre euh, mais qui sortent quand même en 2019. Alors, mon OZ de bronze qui me, f... qui me détruit le cœur... Nicolas, là, je, je comprends pas. Oui, bah, je vais t'expliquer pourquoi. C'est Beyond Good and Evil 2. Donc, c'est-à-dire que Beyond Good and euh, c'est ma série... De... Enfin, c'est mon jeu préféré euh, de tous les temps. Enfin, maintenant, c'est Undertale, mais, mais à l'époque, c'était Beyond Good and Evil, Et euh, j'ai extrêmement peur de ceux, de, de ceux qui sont en train de faire avec Beyond Good and Evil 2. Donc c'est sûr, ça a l'air magnifique, hein, ce qu'ils font. Hein, c'est un immense monde ouvert. C est, c est, c est, on peut jouer avec plein de copains. Il y, 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 y a des tonnes de planètes modélisées. Mais ce n'est plus du tout ce que j'ai aimé dans Beyond Good and Evil, c'est-à-dire une histoire, des personnages attachants, une fin émouvante, etc. C'est un jeu, quand j'ai vu l'abandon de Beyond Good and Evil 2, j'étais presque en larmes. Je, 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 vraiment, j'étais je, je, trop content. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe je suis très, très, très sceptique par rapport à l'orientation qu'est en train de prendre Vous le jeu. Tu as vu la, la, la vidéo de gameplay ouais. Oui, ah ouais. on a vu. Ça se fait chier, hein. Ben, ah ouais. se fait moi, j'ai trouvé ça très bien. C'est très beau. Même la ville, moi elle je est trouve ça magnifique. Non, non. Oui, mais en fait, euh, oui. c'est magnifique. En termes de gameplay, ça a euh... C'est magnifique, mais... C'est un mouligas quoi. Mais voilà, en fait, je me suis dit, ok, bah, a... j'ai l'impression qu'il n'y a rien de. Mais le jeu, il n'est carrément pas fini. Il y en a encore pour des années. Oui. après, il y en a encore pour est des années. C'est vrai que je l'ai mis dans mes OZF de 2019. Mais... C'est que... bon. de... plutôt un coup de gueule. Ouais, voilà, c'est plutôt un coup voilà. de gueule. Ouais, ouais. Et ouais, j'espère mais... que ça va faire bouger <laughs> les choses. Un médecin qui t'écoute, ils mettront <laughs> grâce en fait, à. fait, ton à gilet, gilet la... jaune. Quoi. <laughs> Euh, Ozef okay. d'Argent, un beau Ozef d'Argent oh qu'on ouais. va vite retrouver dans tous les autres Ozef, en thème, vraiment. Ah, Alors, ce oui. jeu, on n'en a rien à battre. Ouais. C'est un énième jeu service dégueulasse. Et ouais, mais c'est terrible parce que c'est Bioware, quoi. Alors, c'est terrible parce que c'est BioWare, mais en même temps, c'est EA qui est en train d'essayer voilà, de ça. nous fourguer en nous ouvrant la bouche, en nous l'enfonçant bien profond dans la gorge, des jeux-services, mais euh, à la Destiny 2. Et je pense que en thème se dirige très clairement sur un Destiny 2. Ah oui! Parce euh... qu'ils ont, ils ont dit, nous, clairement, on veut, on veut se diriger vers un, un système comme ça, avec un monde qu'on qu qu maintiendrait vraiment à, à, à flot pendant au moins une dizaine d'années. Ouais, Orang dit Destiny 2 dans un an, je pense qu'il est mort. Sachant ouais, <laughs> ouais, 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 bah, ouais. qu'il a été gratuit pendant un mois. Ouais, Donc, voilà. Ouais, ouais, et, <laughs> et en thème, j'ai peur que ça fasse pareil, même si oui, il y a une belle ambition, mais. Ouais non ça... J'ai très très peur que ce soit très ouais, très Osef. Je, aucun Et enfin un Oséf d'or euh, que, que notre immense communauté va sans doute m'en vouloir. Mais Animal Crossing, c'est oh. un jeu je sais que c'est oh. bien. Non mais je sais que oh. c'est bien. Les villageois, Marie tout ça. <laughs> c'est vrai, vrai que c'est ton main dans Smash Bros. Ouais, bah, c'est je un, <laughs> un jeu c'est un jeu que que je sais que c'est bien. J'ai essayé d'y jouer sur sur GameCube. J'avais essayé d'y jouer sur Wii. T'avais peut-être pas des yeux assez gros à cette époque. T'es ah. peut-être pour ça. Ouais. <laughs> c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Être ça. Sachant, ouais. c'est étonnant parce que c'est typiquement le genre de jeu où tu te fais des amis. Quoi. <laughs> <C 'est> exactement. <laughs> c'est Oui, en plus c'est quand même fait un simulateur. Hein, mais ouais, ouais, exactement. C'est un jeu dans lequel tu es dans un village et tu te fais des copains et tu ouais, leur ouais, tu mais mais je, je, je Et pourtant, j'aime beaucoup les jeux de gestion de ferme, euh, comme Stardew Valley ou comme. Qui va être en coop d'ailleurs ce jeu. Oui, avec ouais. bah, qu 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 qui l'est sur Switch. ça y La mise à jour est sortie. Euh, mais voilà, ouais. Donc du coup, Animal Crossing, c'est mon Osef d'or ouais, de 2019. Bon, on, a, on arrivera à convaincre Nico de le faire en, en main, main jeu, en gros morceau dans, <laughs> dans ouais, un épisode. Oui, alors il a pas de souci. Et euh, voilà pour mes OZF, euh, John. Alors, moi, mon OZF de bronze, c'est euh, The Division 2. Oui. Pourquoi, oui. Pas. Euh, Pourquoi pas ouais. Alors, j Très bel OZF. Je pas que c'est <laughs> ouais. non plus un, un jeu de merde. Hein. C'est pas, pas ça que veut dire non, ce classement. Mais c'est que j'en ai rien à foutre, comme j'en ai eu. Absolument rien à foutre du 1. Ouais, mais, bah, je mais, euh, mais voilà, bon, bah, on y, on y a joué à la Gamescom, on s'est vraiment marré à 4. Mais oui. C'est parce que le contexte voulait ça, parce ouais. que l'animatrice qui nous faisait montrer le jeu était top. Et surtout qu'on parlait allemand. C'était très cool. Ouais, voilà. On parlait allemand, donc c'était de Schnitzel, Schnitzel <laughs> Et, euh, mais à part ça, euh, pff... En 2019, euh, ben bah voilà, j'ai déjà dit à ce que j'attendais. Je vais m'éclater plus avec d'autres jeux qu'avec une suite d'un jeu. Surtout fond. que pour le coup, pour y avoir joué à The Division 2, c'est The Division 1 reskiné. Hein. Enfin, je veux dire, euh, oui, je vais, c est, c est franchement, c'est clairement, euh, voilà, on vous a fait une suite, mais euh, bon, on met deux parce qu'il faut mettre un deux. Mais si on pouvait mettre un point deux, c'est pareil, quoi. Exactement, ouais, ouais, tu un... peux un... qu'on ait joué à la Gamescom, c'est le ressenti qu'on a eu, ouais. 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 d'argent, euh, encore un jeu de la Gamescom, mais c'est bien parce qu'au moins je peux parler de jeux auxquels j'ai joué, ouais. Mmh, mais et donc, c'est euh, Skull and Bones. Oui, de le, Ubisoft. Le jeu de combat de bateau <laughs> N'est pas Ubisoft, Je leur mets deux jeux dans le même. C'est vrai que hein. c'est dur pour eux. Le, le, le jeu de combat de, de bataille navale euh, ambiance pirate. Euh, bon voilà, on, on y a joué pendant une bonne demi-heure, je crois, en plus. Ouais. C'était un bon. Ouais, c'était une bon, bonne session, une bonne dose de ouais. gameplay. Euh, on a vu plein de choses, c'était drôle. Mmh. On se foutait sur la gueule avec euh, différents euh, types de, de bateaux, donc euh, comme si c'était un peu des classes de, de personnages dans des jeux, mais là c'était en des types de bateaux en plus euh, tank, plus bourrin et tout ça. Mais waouh, qu'est-ce que. Enfin, à la fin, je me suis dit, bah c'était cool, j'ai joué une demi-heure, j'ai rejoué plus parce que j'en ai rien bah, à foutre Comme on le c'est clairement un jeu de week-end, c'est-à-dire tu le prends en week-end, genre quand il coûte 5 voilà. euros sur un ouais, 6. Ouais, voilà. Ouais. tu joues un week-end et basta quoi. C'était ouais. un jeu, voilà, on se dit, ce week-end on joue à hein. entre potes et basta. Enfin, je on est dur quand même. Pas, est... ouais on est dur est mais, mais c'est vrai ouais, on... Mais euh... il me dit rien moi en fait hein. c'est il m'a frustré parce que j'ai limite envie d'avoir un vrai jeu de pirate de ouf ouais avec le, le, les phases Atlas. de gameplay pirate pirate euh, solo et, euh, et après, tu montes ton équipage, ton bateau, ouais, tu vas te faire des ouais. grosses batailles en multi à un monde ouvert, et, mais avec des phases à pied. Et là, il ouais. n'y a rien. Ça là, ouais, non, c'était pas. Voilà. Et enfin, ton Osef d'or. Bah, En thème. <laughs> en thème. Pour, pour toutes <laughs> on les raisons <thème>. déjà évoquées. <laughs> voilà. Joris, Alors, Osef de bronze. Euh, bah, moi, ça va être Death Gone. Parce que c'est un jeu que j'attendais énormément. Euh, une des raisons pour laquelle j'ai acheté la PS4, quand, parce que quand j'avais vu la vidéo à ah, l'O3, ouais. je ne sais plus quelle année. Où on voyait euh, ce mec affronter des hordes et des hordes de zombies j'ai fait ouais, c'est génial une fois mmh. absolument ce jeu et, et en c'est vrai que la, la, la vidéo de gameplay la pour vidéo, le vidéo avait beaucoup de la gueule hein. elle avait vraiment de la gueule c'était vraiment super hein. et au fur et à mesure des années on n'a eu pas trop eu de com et là on a eu des vidéos qui sont sorties qui sont sorties avec le 3 de cette année et euh, d'autres d'autres événements et pff, ça a l'air euh, tellement euh... Lambda. Lambda, c'est-à-dire que c'est. Pour moi, c'est Uncharted avec des zombies, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les phases de gameplay, ça a l'air d'être toujours les mêmes. Ouais. Euh, L'environnement, ça a l'air d'être toujours le même style qu'Uncharted. C'est-à-dire que, Uncharted, -à -dire que tu, te tu vas dans des fougères, tu attaques les mecs par derrière. Et ça a l'air très, très plat. Donc je, je le mets que dans le bronze parce que j'espère qu'il sera vraiment bien. Mm -hmm. Mais j'en attends pas grand-chose. Aux d'argent Devil My Cry 5. Oh, bah. Alors fait. que ça a l'air très bien. Bon, oui mais tu t'en fous Franchement je m'en <laughs> fous. Oui, eh oui. Oh, non mais ouais. Ouais, ça. c'est pour... que... ça. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c est... C est... ça a l'air très bien. Mais voilà. Très ouais, bah mais ils, ont fait une... Une... ils ont fait une belle annonce. Oui euh... bah je suis content pour eux, mais ouais. je... <rire> <rire> <laughs> Longue vie, hein. Long vie. <laughs> voilà, ouais. Et or en thème. En thème, bien voilà. sûr. En ah, bah, thème ouais. qui décidément remporte euh, ah, ouais. tous les suffrages, hein. Ah ouais. Pour ouais 2019, non, mais quoi. moi c'est moi c'est un coup de gueule général sur euh, les derniers jeux Bioware, quoi. C'est ouais, euh, entendu. Dragon Age, dernier Mass Effect, en euh, thème, tout ça, c'est fini, quoi. Au fond, c'est méchant. <laughs> J'ai envie de me dire, euh, envie qu'ils se foirent. Mais oh, il il se rend compte. Quoi. Pour pour se rendre compte que les gars faut arrêter ce genre de jeu en fait Enfin, l'univers peut être très bien. Ça plaît, hein, si ça marche. C'est pour ça, mais enfin. Voilà, bon, c'est, il y a, il y, y, y aurait un long débat là-dessus sur sur mmh, les, les ouais. styles de jeu et ce qui te ressorte. T'as l'impression que c'est des refontes de de systèmes qui existent déjà et des, avec juste un skin différent, mais mais voilà. Après, bon, on, je, au fond, qu'ils se foirent pour ça, mais j'ai pas envie non plus parce que faut faut quand même que les mecs ils s'ils peuvent se veulent se permettre de faire d'autres bons jeux derrière. En plus de ça, faut il faut qu'il y ah ait ouais. de l'argent. Bah c'est vrai qu'il y, <laughs> y, aura, y, aura, y aura par contre bah, le, nouveau, le nouveau Dragon Age un peu voilà. de suivre, hein, mais, mais bon, à suivre. Mais c'est vrai qu'à voir, ouais. voir. Et puis voilà, le, le problème, c'est qu'ils vont, ils vont faire un shooter que j'ai l'impression d'être terriblement lambda. Euh... Mm. Ouais, beau, mais lambda. faire à suivre. Beau, beau, mais lambda. voilà affaire à suivre. Très bien, pour conclure cette, cette dernière émission. Alors, dernière émission à plein des égards, puisque c'est la dernière émission de 2018, déjà. Oui. Euh, c'est la dernière émission qu'on fera à 3 Oh, waouh! Wow, mais Comment ça? Comment ça? Comment ça <laughs> je, je, je comprends comment pas ça. <laughs> mais 3 à la ville? <laughs> <laughs> Effectivement, puisqu'on se déménage. Non, puisque, puisque dès la rentrée, dès, dès, dès le mois de janvier, nous serons quatre. Une, 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 une quatrième personne nous, nous rejoint l'équipe, renforce ouais. l'équipe. Eh oui, euh, une très euh, belle y, personne. Du beau moment, hein. <laughs> Autant physiquement que mentalement. Eh ouais, et ouais. <laughs> vous le verrez. Euh, donc, euh, donc une quatrième personne nous rejoindra. Et surtout, dernière émission pour Joris, puisque je vais te remettre <laughs> en main et propre ouais. maintenant euh, Pokémon Let's Go Pikachu. Euh, que tu vas t'engager à jouer une dizaine d'heures oui, euh, pour pouvoir le chroniquer euh, dans la deuxième émission de janvier. Je m'engage à y jouer une dizaine d'heures. Tout. <rire> <rire> pas plus de 10 heures. On, voilà. Alors, on, on stalkera. Hein. C'est une, ouais, une, une, une rubrique qu'on qu va inaugurer dans, la, dans les premières émissions de, de, de 2019. En fait, on va forcer quelqu'un à, à jouer à un jeu qui n'est absolument pas sa cam en temps normal. Et là, bah, c'est Joris qui, qui va démarrer puisque Pokémon, c'est pas ta cam. Les, les jeux faciles, c'est pas ta cam. Donc, un jeu Pokémon ultra facile, tu risques vraiment <laughs> de te faire chier. Oh oui. <laughs> les meilleurs 10 heures de ta vie <laughs> mais euh, voilà aussi pour toi c'est une sorte de, de, de nouveau pied à l'étrier dans, dans Pokémon puisque tu connais pas plus que ça non plus bah, j'ai euh, c'est à dire euh, une idée de Pokémon qui est, qui est assez fermée <rire> <rire> oui euh, je crache beaucoup sur le jeu, et ben je me dis, tiens, pourquoi pas essayer de ouais. cette nouvelle version Peut-être que ça va me plaire. Voilà, donc, euh, donc Joris, je te remets donc maintenant Pokémon. Merci bien. Euh, et et ben bah, voilà, bon, bon courage pour 2019. Hein <laughs> si je reviens, et si tu <laughs> si remets, je <laughs> je reviens, <laughs> voilà, si tu reviens. En attendant, ben bah, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Twitter, coop et canap, ainsi que sur notre page Facebook, coop et canap, comme ça se prononce. Sur notre euh, Gmail, vous pouvez toujours nous envoyer des petits mails, coop et canap gmail.com pour nous dire ouais euh, pourquoi il aime pas Pokémon Joris euh, Vous vous en décompte <laughs> mais on est où C'est la foire d'empoigne en enfin bref que euh, contre, Ubisoft <laughs> contre Ubisoft <laughs> arrêtez de parler de Red Dead 2 à chaque épisode Red Dead 2 20ème 20 e c'était cool c'est vrai que bien tombé mon salaud dit qui finit premier alors ça c'est vraiment génial vous pouvez non c'est pas comme ça que ça s'est passé vous pouvez nous retrouver sur Youtube et sur toutes les plateformes de podcast podcast addict podcast Apple podcast machin podcast Twitch, Spotify j'espère bientôt 10h ça fait 5 fois qu'on soumet donc peut-être qu'un jour on l'aura on va euh, en fait. Voilà, donc euh, on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, une très bonne fin d'année 2019, bonne année 2000, euh, bonne fin d'année 2018, bonne année 2019. Voilà. D'ici là, bah, amusez-vous hein, et puis ouais. euh, bah, Profitez, plein de choses. Et bonne année. Et bonne année. Et, et bon à année. pas à nous écouter en famille au coin du feu. Bien hein, sûr. Hein, ouais, c'est important. C'est fait pour. Allez, salut, bonne année. Salut, ciao, bonne année à tous.